concrete results we've delivered for Canadians over the past 2.5 years, whether it be signing the CPTPP that they weren't moving forward on, whether it was concretizing a CETA that was in dire straits when we came into office, or whether it's delivering a energy infrastructure that will get our oil resources to new markets, which they failed to do for 10 years, whether it's actually investing in infrastructure in our communities, lowering taxes for the middle class, raising on the wealthiest 1%. These are the things that... L'honorable député de Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, quand le Premier ministre a annoncé que le G7 aurait lieu à la Malbaie, son gouvernement a également dit que les travailleurs de la région seraient mis à contribution. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se produit partout et des travailleurs se retrouvent présentement au chômage forcé. Est-ce que le Premier ministre peut dire aux citoyens de la Malbaie si des indemnisations ont été prévues et que va-t-il faire pour les hôteliers, les aubergistes, les restaurateurs qui sont dans l'incapacité de faire travailler leurs employés avant et pendant le G7? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, la semaine passée, j'ai eu la chance d'aller visiter la Malbaie, cette belle région de Charlevoix, pour rencontrer des citoyens. Et ils me parlaient de la fierté qu'ils ont de pouvoir recevoir le monde chez eux, de démontrer comment il fait beau à Charlevoix et surtout comment on veut encourager les gens à venir visiter, à découvrir cette magnifique région. Et évidemment, ils savent qu'il va y avoir des dérangements ou des difficultés à cause de l'arrivée des visiteurs et de la sécurité, et nous travaillons continuellement avec eux, avec leurs élus, avec les citoyens pour s'assurer que tout se passe bien. Député de Richmond-Arthabasca. Monsieur le Président, la tenue d'un tel événement que le G7 impacte naturellement la population, on le sait tous. Nous avons d'un côté des honnêtes travailleurs qui ne sont pas en mesure de se rendre présentement à leur lieu de travail, et d'un autre, nous allons avoir des conséquences sur les commerces, les entreprises et les particuliers localement qui seront affectés par les vandales. On s'attendrait donc normalement, dans un cas comme ça, que le gouvernement s'occupe des gens qui vont être touchés par les vandales de façon à les indemniser. Alors ma question, est-ce que le Premier ministre s'engage formellement à rembourser toutes les personnes qui seront affectées par les vandales pendant le G7? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, je suis fier de pouvoir accueillir les dirigeants du monde dans la magnifique région de Charlevoix. Et je suis et quand j'étais là, j'ai vu qu'il y a une compagnie à Labbé, dans la région de Saguenay, qui a eu le contrat pour livrer la nourriture pour tout le personnel de sécurité et d'armée qui vont être là. Et il y a beaucoup de profits qui viennent dans cette communauté-là. Mais je peux assurer mon collègue que les politiques de rémunération pour les entreprises locales touchées sont exactement les mêmes que celles qui étaient en place sous les conservateurs en 2010 lors de leur sommet. Honorable député de Salaberry-sur-Roi. Monsieur le Président, cette semaine, nous avons tous entendu de nombreuses histoires traumatisantes d'abus sexuels contre des sportifs ici au Canada. Cette situation est inacceptable et le gouvernement doit intervenir pour protéger nos sportifs. Au Canada, les organisations